Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du mercredi. Et donc aujourd'hui, on va faire une carte. Pop-up. Donc c'est une carte que j'avais faite avec une chouette et que j'avais mise donc sur Pinterest et on m'a envoyé plusieurs messages pour me dire est-ce qu'on pourrait avoir un tuto. Et donc ça y est, je fais enfin donc le tuto de cette carte donc pop-up. C'est une carte pour la fête des mères, donc comme vous pouvez le voir ici, bonne fête des mères. Un petit peu en avance, mais lorsqu'on fait des choses donc de nos 10 doigts, il vaut mieux savoir prendre de l'avance. Donc si jamais vous souhaitez apprendre à réaliser donc cette jolie carte, je vous laisse me suivre. Donc tout d'abord, au niveau des sets de tampons, on va avoir besoin donc du set fort et magnifique, donc pour les messages qu'il y a à l'intérieur, et du set un peu de dentelle, donc pour ces jolies fleurs ici, le cœur et la petite fleur ici, plus un des messages qui se trouve ici. Ensuite, au niveau des découpes, donc on va avoir le set de découpes formes à coudre et on va utiliser donc celui-ci, le deuxième cercle. Et ensuite, on va utiliser aussi le set de découpes donc cadre décoratif et on va utiliser donc ce joli cadre pour y venir y tamponner donc nos fleurs. Donc pour cette version, je vais utiliser donc le souffle d'écume. Pour celle-ci, c'était le rose rococo. Donc c'est aussi une incolore. Donc pour ce morceau donc de base de carte, il nous faut un morceau de 9 cm par 29 cm. Toutes les mesures seront disponibles sur le blog. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Donc 9 par 29 cm. Ensuite, un deuxième morceau, toujours souffle d'écume, qui mesure 8 cm par 24 cm. Et un dernier morceau, donc de la même couleur, qui mesure lui 8 cm par 18,5 cm. Ensuite, on va avoir besoin donc de papier pour l'intérieur de notre carte. Donc, ici. Et ici. Donc le papier imprimé, il mesure 8,5 par 10 cm. C'est un papier imprimé donc ton sur ton, donc souffle d'écume avec des petites écritures dessus. Donc il nous faut deux morceaux et ensuite il nous faut un morceau blanc qui ira au-dessus qui lui mesure donc 8 cm par 9,5 cm. Hop. Ensuite, il nous faut pour la déco donc de l'intérieur, hop, 4 morceaux, donc moi j'ai choisi 2 morceaux en papier imprimé et 2 morceaux de blanc qui mesurent donc 5,5 cm par 7,5 cm. Et pour aller donc sur nos morceaux de blanc, j'ai choisi donc 2 morceaux donc souffle d'écume qui eux mesurent 5 cm par 7 cm. Il nous faudra aussi donc les Stampin' Blends, donc souffle d'écume, ainsi que l'encreur coordonné. Et une dernière petite chose, donc je ne vous la présente même plus, vous la connaissez, la perforatrice étiquette classique. Et donc on va pouvoir commencer, et pour commencer on prend donc notre massicot. Pour commencer, je prends mon plus grand morceau, je le place donc en paysage et je vais venir le plier donc au centre à 14,5 cm. Voilà, une fois que c'est fait, donc je prends mon morceau qui mesure donc 8 par 24, donc c'est devenu le plus grand des deux morceaux que j'avais. Et celui-ci, donc je vais venir toujours en paysage. Je vais venir le plier à 6 cm. À 12 cm. Et pour finir, à 18 cm.
Voilà. Une fois que celui-ci s'est fait, je prends le dernier morceau qu'il me reste. Celui-ci, je le positionne donc en portrait. Et je viens le plier au centre, donc à 4 cm. Hop. Et c'est bon, je n'ai plus besoin donc, du massicot, je peux le ranger. Je viens donc de plier au centre à 4 cm. Je prends donc ma règle ainsi que mon outil touche à tout avec donc ma bille. Hop. Et je viens donc... Donc je me place ici et je viens donc à 5,2 cm faire des marques. Donc ici j'en ai fait une, je viens retourner mon papier, je fais hop, de nouveau 5,2 cm et je fais ça donc des quatre côtés. Donc je veux 5,2 cm pour les quatre côtés. Mes quatre donc marques, donc je vais venir hop prendre la première et prendre la deuxième, hop, et je trace donc toujours à l'aide de ma bille, hop, la diagonale, hop, je relie les deux points entre eux et je fais la même chose pour celui-ci et celui-ci. Une fois que c'est fait, je prends donc mon plioir et je viens appuyer donc. Donc comme vous avez pu le voir, donc mon premier pli, celui du milieu, je l'ai fait dans ce sens. Et ensuite, les plis donc, qui font une croix, je les ai fait dans l'autre sens, tout simplement pour faciliter donc, cette étape. Donc de la mise en place de la carte et tout simplement, vous voyez, là je suis comme ça et je veux venir donc hop comme ceci et voilà ce que j'obtiens avec mon papier, donc une sorte de flèche que je viens donc hop appuyer et c'est ce qui va faire donc le mécanisme de notre carte pop-up. Hop, donc comme ceci et hop. Voilà, donc notre flèche est formée. Hop. Ensuite, donc je peux venir de nouveau appuyer les plis sur ce morceau et aussi donc sur la base de carte. Donc voilà ce que j'obtiens donc pour ce morceau qui est plié en quatre parties, on vient former donc un W à l'aide donc de nos plis. Donc maintenant qu'on a toute notre carte donc, qui est prête à être assemblée, on va venir donc passer à la déco. Donc que ce soit de l'extérieur de la carte ou de l'intérieur. Donc on va commencer par l'extérieur et donc pour ça, on prend donc une chute de papier blanc, donc murmure blanc basique. On va venir découper dans un premier temps donc le joli cadre. Et ensuite, on viendra à l'aide de la Memento, donc tamponner ce joli ensemble de fleurs. Je viens prendre donc un morceau de souffle d'écume, donc une chute, et je vais prendre donc mon tampon, tu es formidable, c'est indéniable, pour faire donc hop, mon tamponnage et ensuite la découpe donc de mon étiquette. Une fois que mon étiquette est faite, je n'ai plus donc qu'à venir
faire ma colorisation de mon ensemble de fleurs, donc avec mon souffle d'écume foncé et mon souffle d'écume clair. C'est terminé, donc la colorisation, je prends donc des mini mousses 3D et je viens en déposer donc hop, 3 derrière mon étiquette. Voilà, donc on a la couverture donc de notre carte qui est terminée. Donc hop, on prend notre plus gros morceau qu'on a plié en deux. Et je peux venir coller ceci, donc ici sur la couverture. Une fois que la couverture est faite, on peut donc s'atteler à la déco de l'intérieur. Et donc on peut prendre donc ce morceau plié en W. Et on va pouvoir placer déjà donc hop, nos papiers imprimés et nos papiers donc blanc et bleu. Hop, donc pour ce qui est des papiers donc imprimés et des papiers blancs, on peut déjà donc venir les coller. Et on peut aussi hop, coller ces deux-là au-dessus. Voici ce que ça donne. Je vais pouvoir donc dans un premier temps prendre donc mon tamponnage. Donc la vie a fait de toi ma mère, l'amour a fait de toi mon ami. Que je peux venir tamponner donc sur mon premier morceau souffle d'écume en ton sur ton donc avec mon encreur souffle d'écume. Ensuite, pour tamponner ici à côté, je prends le tu es tout pour moi. Une fois que les tamponnages ici sont faits, je vais pouvoir prendre donc des chutes de murmures blancs. Et je vais venir donc avec ma memento, donc hop, faire le tamponnage donc de ma fleur qui est ici et de mon cœur qui est ici. Ces deux donc tamponnages, je viens les découper avec mon cercle, donc hop. Et hop. Une fois découpé, je peux venir donc de nouveau les coloriser. Donc centre donc de mes panneaux de papier imprimé, et donc pour la déco de ce morceau c'est terminé. Maintenant on va venir donc sur ces morceaux, donc les morceaux blancs comme ici, on va venir donc avec le Stampin' Write faire des petites traces, donc des petits traits de couture, et on va venir donc tamponner en bas d'un des deux, bonne fête des mères, donc en souffle d'écume. Voilà, donc j'ai fait mes traits de couture et mon tamponnage. Maintenant, je peux venir coller donc mes morceaux.
morceaux de blanc sur mes morceaux de papier imprimé. Donc ces deux morceaux-là, je peux les mettre de côté, c'est ceux que je vais utiliser donc en dernier. Donc dans un premier temps, je prends ma base de cartes que j'ouvre donc en deux. Mais je prends aussi mon morceau en forme de flèche. Hop. Et donc, je vais venir mettre de la colle donc sur ma flèche ici. Hop. Uniquement flèche ou maison. Marqué, ça peut aussi représenter une maison. Là, c'est le toit et là, c'est la maison. Quand on a un petit peu d'imagination. Et ensuite, donc, on place notre flèche. Donc, ici, on a la ligne de pli du milieu de notre carte. On place donc le bout de notre flèche, hop, le long de cette ligne de pli. Et on se centre ici et ici. Il faut qu'il y ait, hop, le même écart. Et une fois que je, donc, lorsque je fais ça, je touche, donc, ma flèche touche ma ligne de pli. Hop. Je viens rabattre comme ceci et j'appuie. Hop. Je n'hésite pas, je peux même passer un coup de plioir pour que ça adhère bien. Et lorsque j'ouvre, voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens ma flèche et elle est collée d'un côté. Et là, tout simplement, je viens mettre de la colle ici et je viens rabattre comme ceci. Que les deux côtés sont collés. Voilà ce que j'obtiens lorsque j'ouvre la carte. Hop, j'obtiens ceci. Donc je viens le mettre à plat volontairement. Je prends donc mon Stampin' Blends ou un crayon à papier, comme vous voulez. Le Stampin' Blends, on ne le verra plus de toute façon. Et là, vous voyez, ici, hop, et ici, j'ai mes marques donc à 5,2 cm que l'on a fait tout à l'heure et on a donc la croix. On vient placer donc le début de la règle ici et on prend donc 4 cm et on fait une petite marque. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Hop. Donc là, vous voyez, c'est ici qu'on va venir positionner donc ce morceau-là plié en 4. Et tout simplement, hop. Donc ma marque de pli ici à 4, c'est l'endroit où doit être placé le milieu de ce morceau. Donc là, comme ceci. Hop. J'aligne bien ici, hop. Et ici, donc vous voyez, ça fait la même taille. Et donc, vous voyez ici, j'ai un rectangle, une marque de pli et un autre rectangle. Là, je vais venir mettre de la colle, toujours en maintenant ceci bien aligné. Hop, je mets de la colle ici. Dans mon rectangle du haut. Et, hop, je viens rabattre ce morceau-là. Voilà, j'appuie un petit peu avec le plioir. Et, donc, de ce côté, je viens faire la même chose, mais attention, je viens mettre de la colle uniquement ici, en bas. Hop. Et j'appuie. Et pendant ce temps-là, donc, je ne touche pas tout de suite, donc j'essaie pas de replier tout de suite ma carte parce que faut bien que ce soit collé. En attendant, je viens coller donc ces morceaux ici et ici en haut. Comme ça, je ne prends pas le risque que ça se décolle et qu'après ça colle partout où il faut pas. Donc une fois que j'ai collé ces deux-là, si vous utilisez donc la même colle que moi, la multifonction, elle est sèche, donc pas de problème. Donc maintenant, je peux venir replier ma carte. Donc pour le premier pliage, il va falloir l'aider un tout petit peu, vous voyez. On va venir appuyer donc des deux côtés ici en venant refermer la carte. Hop, et après ça se fera tout seul. Donc là, hop, j'appuie un petit peu avec mon plioir. Et ensuite, hop,
Voilà, ça y est, ça se fait tout seul. Et on a une jolie carte pop-up, donc pour la fête, donc des mamans. Après, on la décore comme on le souhaite et on met les messages que l'on veut. Mais je trouve ça sympa, c'est une carte qui fait son effet pour en avoir plusieurs fois offerte. Les gens aiment beaucoup donc recevoir ce genre de carte qui est... Oh! Voilà, ça fait une jolie réaction et ça fait plaisir lorsque l'on offre une carte. Donc, voici la version donc souffle d'écume. Et ici, cette version-ci, c'était en rose rococo. Donc, les deux incolores de la collection donc 2019-2021. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire laquelle est votre préférée. Pour moi, c'est le rose rococo. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez... C'est ma couleur donc favorite. On se retrouve donc mercredi pour notre prochaine vidéo. À bientôt.